Yo, mes biches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Elden Ring. Donc là, on n'est pas spécialement sur Elden Ring, mais c'est une vidéo basée sur Elden Ring pour vous faire gagner 1000 par ennemi, 1000 runes par ennemi pour ceux qui savent jouer. Moi, je suis vraiment un noob, vraiment un gros noob sur le jeu. Mais je vais vous montrer la zone et aussi comment les tuer plus facilement, parce que si vous commencez à jouer, je pense que ça vous intéresse de farmer énormément de runes, surtout si vous savez comment monter de level. Et exactement, monter de level, il faut des runes, donc bon, voilà. Du coup, on se retrouve là-dessus sur Elden Ring, je vous montre tout ça. Du coup, on est sur Elden Ring et je pense que certaines personnes savent en fait la zone, de quelle zone je parle, pour les ceux qui ont déjà cherché sur YouTube, je pense. Cet endroit m'a été donné sur Insta, en fait, par rapport à un clip sur Twitch. On m'a directement contacté sur Insta pour dire « Ouais, est-ce que tu farmes plus de runes et tout ?» Et vu que je suis un gros noob, j'ai dit oui. Du coup, on se situe sur la map exactement tout en haut à droite, donc au nord de la map. Donc normalement, vous venez de commencer ici. C'est un peu chaud, faut un peu apprendre et tout. Et surtout, faut courir, parce que dans cette zone-là, là, il y a beaucoup de... J'allais dire requins, mais non, c'est totalement la différence, ça peut voler. Il y a beaucoup de dragons, donc faut vraiment esquiver tout et venir en fait. Juste ici, il y a un pont. Quand vous arrivez au pont, direct à droite, il y a le feu de camp. Mais essayez de semer le dragon d'abord. Parce que le dragon là, c'est un boss. Et c'est un peu chaud. Du coup, je vais vous montrer qui donne 1000 runes et comment les tuer plus facilement. Parce que oui, c'est ça qui nous intéresse le plus. Et du coup, vous allez monter et en fait, vous voyez les petits ennemis là-bas. Là, vous voyez cet ennemi là. Cet ennemi là, c'est un petit gobelin. Vous voyez. Et allez pas au corps à corps direct vers lui. Parce que ça coupe des têtes. Très clairement, j'en ai payé les frais. Ça coupe réellement des têtes. Du coup, vous pouvez voir mon nombre de runes en bas à droite. J'en ai actuellement 3813. Et on va aller le chlasser. Ah, d'accord. Bon. Je me suis fail. Vous savez quoi, on va se le faire easy win. Je veux jouer à distance. Pas de soucis. On va jouer à distance. Ah non, j'ai donné un coup trop tôt. Bon, voilà un petit peu, c'est eux qui donnent. Et là, j'ai actuellement 4900. Ouais, ils donnent 1000 à peu près, 1000, même un peu plus de 1000. Mais ils donnent dans les 1000, donc chaque gobelin tué. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment on les tue plus facilement. C'est très simple, vous allez vous accroupir, aller vers eux très délicatement comme ça. Lui souffler dans la nuque en mode « Hey, comment ça va ?» Et là, boucre ! Dans le dos. Attention, ça déloque, donc vous allez relock et le finir si vous le one-shotez pas. Voilà, c'est comme ça. Et là, on a 6000 runes. Donc voilà, il y en a un peu partout, hein. Réellement. Vous pouvez enchaîner les attaques, le farm. Et c'est très très rapide à farm. Bon, il m'a vu, laisse-moi tranquille. Faites vraiment attention parce qu'ils sont très très violents. Surtout quand ils vous sautent comme ça dessus. Très très violents. Ah, je me disais, est-ce que je pouvais le stun? Mais bon, j'ai donné un coup trop tôt. Ah, 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 ah. Ils font très, très mal, donc faites attention. Comme je le dis, faites vraiment, vraiment attention. Bon, là, je peux te gérer à distance. Et venir te mettre un petit coup. Voilà. Du coup, voilà, c'est la zone que je vous propose. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres zones. Au pire, des petites astuces comme ça, je pense que je vais vous faire des petits tutos. Je suis en train de kiffer à fond le jeu, même si je rage aussi à fond. Donc vraiment, j'ai rien à redire. C'est magnifique, le jeu est magnifique, il y a tout de magnifique dans le jeu. Et franchement, je vous le conseille. Il est pour son prix, en vrai, il est bien. Mais surtout, si vous êtes un gros rageux, évitez d'y jouer. Si vous êtes sur PC, privilégiez la manette, ce sera plus facile. Mais après, c'est à vous de voir. Mais vraiment, moi, je joue à la manette personnellement, donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous mes biches, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous fais... Prenez soin de vous, c'est le plus important, dans la vie, actuellement, dans cette vie-là, prenez soin de vous, parce que c'est très chaud dans d'autres pays, et la santé, c'est primordial. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je voulais le dire. Allez, des bisous, et prenez soin de vous.